C'est un peu spé, c'est sûr. mais c'est l'intro de Spotify. Honnêtement, c'est leur plus réussi. Ouais, ouais, on est d'accord, c'est cool. Leur plus réussi, honnêtement. Après, on en discutait. Bon, pour tout un split, je trouve que c'est marrant à passer quelques fois. Pour tout un split, bon, je sais pas si je l'aurais choisi pour être mon intro, tu vois. Faudrait mais... peut-être un backup hype, un petit peu. Ouais. Parce que c'est vrai que le jour de la télécom war. Moi je veux autre chose quoi, je veux des regards, je veux de la fumée, je veux des trucs de killer un peu, tu vois. Je veux des choses un peu féroces comme cette personne qui va très bientôt jouer bien sûr Cannes, le 26e match apparemment de LCK déjà. Non mais il y a tellement de matchs en LCK, genre ça file. BBQ Universe contre Kings and Dragon X, les BBQ Universe tout en bas du classement. This is the second match of the day. Yeah. We're live in the Nexon Arena. I am Papa Smitty. Yeah. Hello everyone. Merde, il est pas russe. Tu fais très mal son accent. Je connais bien en plus Papa Smitty. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller le voir deux fois en Corée. Un homme très sympa. Très, très, très sympa et un des plus gros spécialistes de la Corée. Twix, c'est le deuxième match du jour. Kings and Dragon X contre BBQ Universe et... Bon, on peut peut-être parler vite fait du premier pour ceux qui n'étaient pas là. SKT a remporté son premier BO3 du Summer Split contre les Jenner Green Wings. Voilà, Twix et moi étions des hommes satisfaits. On peut maintenant retourner dans la neutralité qui est la nôtre habituellement. Absolument. SKT, donc, une performance très convaincante, mais face à une équipe qui ne l'est pas actuellement, les Jenner Green Wings. Oui, il faut le dire. Dans la tourmente de la jungle et dans la tourmente même à l'extérieur de cette situation. Mais les SKT qui nous ont sorti finalement... une première super compo, voilà, à l'heure actif, et une toute nouvelle, elle est inédite, c'était Super Xayah avec Rakan, support, jungle, esclave. Blank qui jouait Rakan. Et Blank qui jouait Rakan et Fort qui jouait un chaîne sur la botlane pendant ce temps-là. Avec Faker qui était sur Talia. C'était une game intéressante, honnêtement, si, enfin, de mon point de vue, s'il y en a une à deux, une des deux à voir dans ce BO, que enfin, vous ne pouvez pas voir les deux par manque de temps ou autre. Regardez la première, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal et il y a des trucs assez originaux qui sont sortis. Du coup, deuxième match, Kings and Dragon X contre BBQ Olivers. Ouais. Kings and, grand favori Twix. Absolument, très très grand favori, même si voilà, les KT Roster ont su prendre le meilleur. Les Kings and qui restent toujours très 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 performants. Je pense qu'à peu près tout va bien pour eux. On aimerait un peu plus les voir sur ce genre de composition super carry. Peut-être que ce serait justement une bonne piste à explorer, mais les individualités font tellement le taf chez les King Zone que finalement il n'y a pas tant à s'inquiéter que ça. Ça marche bien, Pinot est très efficace, BTG est excellent et Khan fait face finalement voilà, à très peu de pics passifs. Hein. Même le Dr Mundo a une très bonne reconversion. Il est très embêtant pour ses adversaires avec son Mundo Khan. Ouais. S'il y a peut-être quelqu'un en demi-teinte, pourrait peut-être regarder un peu plus la botlane, mais et encore. Mais encore, hein, je trouve que Prey et Gorilla sont revenus au standard qu'on attend d'eux. On les a vus sur des duo lanes agressives récemment. Et ça marchait plutôt bien. Donc Kingzone qui roule actuellement et honnêtement, malgré tous les changements du 8.11, j'étais assez confiant dans la capacité de Kingzone à reprendre le bon chemin
En termes de jeu, puisque ça reste quand même des laners excellents, des spécialistes de l'early game, cette méta est très favorable à ce genre de caractéristiques. Donc je voyais mal les Kingzone vraiment struggle. À la limite, il y avait le côté encore une déception à l'international, comment ça va se passer mentalement par rapport à la pression des fans coréens, etc. Mais sinon, pour la lane pure et pour l'early game, Kingzone est vraiment la meilleure équipe pour l'instant. C'est vrai, je pense qu'il faut le dire cette année. La sanction du public coréen a été très sévère après la défaite contre les Royal Never Give Up ou MSI. On en venait à regretter Samsung, SKT. Mm-hmm. Bon, après, tout ça, c'est. Quand même, faut pas oublier qu'en 2015, SKT aussi avait perdu une grande finale de MSI. Mais à l'époque, peut-être que les fans coréens étaient moins exigeants, entre guillemets, sachant qu'ils avaient perdu un nombre massif de joueurs après l'exode des Samsung. En tout cas, voilà, cette équipe Kingzone Dragonics qui avait vraiment été excellente pour jouer ce jeu très chorégraphié du Spring Split avec domination de lane. Ils arrivaient quasiment toujours à avoir deux match-ups sur, je dirais, trois match-ups sur quatre gagnants très régulièrement. C'était un miracle limite si l'adversaire arrivait à avoir le même nombre de match-ups gagnants que les Kingzone. Et c'était une équipe qui exécutait très bien sa combinaison jungle mid, qui derrière allait sur la botlane, on prenait la première tour du match et dans la foulée ils enchaînaient avec un can brillant, bien sûr. Ah, la perdasse. Le jeu a un peu changé, il y a des composantes différentes, enfin la tenue de lane et la domination de lane sont toujours très importantes, Twix, mais il y a maintenant des grosses surprises en termes d'assignement de lane. Il y a beaucoup de choses qui sont imprévisibles en fait. Ouais, beaucoup d'autres enjeux finalement. C'est vrai que les laning phases ont été renforcées, beaucoup plus importantes que les match-ups sont différents. Sur le Spring Split, les match-ups sont inédits. Ils sont pas seulement différents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jurisprudence. Inédit est le mot. Voilà, et pas de jurisprudence, donc on peut pas se dire oui, en S3, on jouait ça, ça se passait comme ça. Non, il y a pas de référence vraiment. Il faut partir à l'aventure, il faut parvenir à faire sa propre tier list hein, finalement. C'est ça. Comme, petit message. Comme beaucoup de joueurs ont pu le dire, ce qui compte, c'est un peu. Enfin, dans ce début de Summer Split, c'est beaucoup les convictions de chaque équipe qui tente d'être portée jusqu'au bout. Et il n'y a pas de règle absolue actuellement dans League of Legends. Ah, exactement. C'est un peu comme si on arrivait à un World Championship après le patch de mi-saison. Et que tout était encore à définir. Voilà, première semaine de group stage, un petit peu le chaos et la méta se définit juste derrière. Là, on rentre plutôt dans la confirmation de cette métagame. On a vraiment les rapports de draft qui nous donnent vraiment les rapports de puissance entre les différents champions qui sont disponibles, les combos, les véritables associations de champions qui posent problème, qui sont à séparer. Et je pense qu'on arrive aujourd'hui à avoir quand même une approche assez globale. On tourne à peu près sur 60 à 70 champions en fonction des régions avec 30 majoritaires. Donc on a une bonne idée de comment jouer, mais on est en patch 8.11 hein, sur cette LCK. Oui. Donc on a encore les bannières de commandement cette semaine. Enfin, pour ce dimanche plutôt. Khan qui n'est pas top 1 sur les statistiques de top laner. Il est toujours l'un des meilleurs. Toujours l'un des meilleurs, bien entendu, Khan. Mais comme gros client actuellement, on a notamment. Il y a Sowan, il y a Keen. Sword est excellent chez Griffin. Il y a Smeb toujours. Ouais, Smeb est là également. Keen est fabuleux. Extraordinaire, Keen. Je suis un grand fan du joueur. J'aime beaucoup Africa Freaks en général. Hein. C'est vrai que l'équipe est très agréable à voir jouer. Elle est dingue cette reconversion pour Spirit. Hein. Je pense que c'est une des reconversions avec le plus de succès qu'on ait eu. Ouais, parce qu'on le pensait peut-être. Peut-être cramé, hein. Complètement. Pas de lourds espoirs à former sur les Africa Freaks lorsqu'ils ont annoncé leur roster. Mais voilà. Bah, on se disait, il y a pas mal de joueurs un peu second couteau, même si ça reste excellent joueur, un peu second couteau par rapport au roster où ils étaient avant. Peut-être revanchard, tu vois. Mmh. C'est des mecs qui ont peut-être pas brillé autant qu'ils le voulaient les années précédentes. C'est un peu des airs de Rock Tigers, cette équipe Africa Freaks. Il y a Kramer, il y a des gros noms, mais des autres joueurs un petit peu qui ont. Justin, pareil, on le pensait rincé et il n'a jamais été aussi bon que cette année. Carrément. Spirit, donc le retour. Un peu comme Ignar et Trick hein, également. Les ex-joueurs de Misfits et de G2 qui sont là en poste chez les BBQ.
après une saison printemps était plutôt ok. Ils se sont distingués les deux, surtout Ignar hein, quand même, plus que Trick bien sûr, mais ils se sont distingués les deux ex-joueurs européens. Et nous rentrons dans la phase de draft, donc BBQ contre Kingzone BO3 et BBQ Blueside qui ont donc la possibilité de sortir une super compo. Pistes qu'ils n'ont pas explorées pour le moment, hormis Tariki, hein, il me semble qu'il y a eu tentative. Faut que tu montes le son de la musique, Cosby. J'avoue, elle est lourde. Ouais, Ban Gaïsa, Ban Talia, Ban Swain. Et le Nocturne. Ban Nocturne. Reste tout de même, alors, dans les champions, bien sûr, très disputés actuellement, Vladimir. En fait. Vladimir, Irelia est toujours là également. Irelia. C'est Zoé. Kebani. Ok, Dragonix. Dragonix. Excusez-nous. Hein. Hein, j'aime bien cette. Elle est entraînante, cette musique. Luluban, côté Kingzone. On est toujours en 8.11, donc elle n'a pas encore pris son nerf. La durée de son shield baisse à 2 secondes 5. First pick BBQ, on va directement donner le cap. Pas de Kaisa, donc pas de super. Ok. Très bien. Grosse priorité sur Aatrox, j'ai l'impression là, vraiment LCK ça s'est concrétisé. Je sais pas si c'est alors que c'est pas forcément un mauvais blind pick, mais il y a des contres. Bah, il y a des contres et surtout il y a des joueurs qui piquent contre. Et Khan fait partie de ces joueurs à qui si tu laisses le red side open bar avec un first pick top, à un moment donné ça va frapper quelque part. Ça va frapper avec la Irelia Vlad, ce serait deux pick-up plutôt pas mal hein. Peut-être un petit Braume. C'est pas mal Braume. Mais bon, Zoé est ban, donc est-ce qu'on en a vraiment besoin? Il y a plusieurs pistes. Un petit chêne éventuellement si on veut partir dans un melee rumble, toujours avoir cette feinte de chêne, c'est un gros argument. Et hop, Mundo, c'est parti. De toute façon Aatrox il peut pas tuer Mundo, puisque Mundo. Court. Il s'en va. Si ça lui va pas, il s'en va. Non. Écoute, je te laisse à plus tard. Ça va peut-être un peu early, mais il voulait absolument valider le Mundo avant de passer en phase 2. Et du coup, ça laisse le Vladimir open. Et Vladimir, c'est un pick de très haute priorité sur le bot side. On aime bien répondre au Vladimir bot par un Ryze. Est-ce qu'on va avoir un chêne par exemple? Ouais. Trundle. Allez. Pas idiot contre Mundo, hein, bien sûr. Ce sera Trick dans la jungle, pas Bono. À souligner. Ouais. Il n'a pas fait beaucoup de si, il a fait beaucoup de games, pardon. Bono, il a joué quelques games, justement. Ouais. Ouais. Quoi, il fait pour moi 50-50 les deux, j'imagine. Ah, attends, je vais te dire ça. Nous avons donc maintenant pour les Kingzone le last pick avant de partir au ban, sachant que vous le savez maintenant. En red side, on a le dernier pick games, de Bono. La phase 1 et on a le premier pick de la phase 2, ce qui fait qu'ils ont virtuellement deux champions à drafter, les Kingzone. Avec deux bans qui vont. Oh lolo! Ah oui, pick Trundle into Peanut, forcément avec tout d'ouvert. La punition, la Nida de Peanut. Donc, ouais, 4 games pour Bono, 7 pour Trick. C'est pas exactement moite moite. Ça fait tellement de matchs déjà! Alors que nous, on est en Europe, les joueurs on en fait 4. Ouais. C'est dur. Vraiment, c'est cette différence de format. Forcément, la maîtrise doit pas être la même. Et ban de Morgana. Morgana, un ban qui revient très souvent en phase 2. Très souvent, surtout sur le blue side. Pareil pour Yasuo. Hein. Ouais, pareil pour Yasuo, en effet. C'est vrai qu'on a beaucoup de bump hein. Pour l'instant chez les BBQ, ça aurait été un pick parfaitement viable. Ah, d'accord. D'ailleurs, il ban le combo Yasuo Alistar. Peut-être les forcer sur un Kench. Shen toujours dispo également. Shen est là, hein, mais justement, ils pourraient prendre Shen, les Kingzone. Donc c'est Kingzone voilà, qui a le pic de réintro. Oh. Et ils prennent leur Akan immédiatement pour terminer par une Xayah, très certainement. À moins que les BBQ, dans un élan, sélectionnent la Xayah et la Locke pour Ghost. Auquel cas, les Kingzone joueraient Lucian, probablement. Ouais, la limite Ezreal. Hein. Ouais, Ezreal est là aussi, hein, et Prey. Hein. Ouh. Oh, ce reste Gragas support.
c'est le... Oh, Aïdnar, est-ce que tu régales? Oh, il régale. Le Blitzcrank. Il régale. Un Blitzcrank qui va avoir un petit peu de mal à connecter quand même. Faut pas trop grab Mundo. On peut grab Nida et Rakan, mais bon, on peut essayer, surtout. En tout cas, il va y avoir de l'invade, ça c'est sûr et certain. Invade, ça tourne plus vite dans les neurones de Aignar. Normalement, il arrive à anticiper tout jump avec son Blitzcrank. Il va le jouer avec un petit électrocute et tout là. Aller jusqu'au bout. Ah, et le Darius. Darius. Là, t'es un peu dégoûté Darius de pas avoir Shen. Darius et Blitzcrank. T'es trop dégoûté de pas avoir Shenbot. Vas-y, dash. Viens. Ouais. Viens, Rakan. T'engage. T'as pas engage. Prey. Bah après il se dit ouais, je prends Xayah, mais bon j'y vais les gars mais faut gangbot ouais, vous le voyez ici il a pas encore lock hein. Ce serait pas mal quand ce même, serait pas mal, ouais, allez franchement je pense que là faut s'y résoudre face à Blitzcrank. T'es forcé de pick Ezreal dans Blitzcrank. Ouais, tu peux pas faire quand c'est dispo, c'est une trop belle opportunité. Gigante les givrants pour Prey dans cette game, je pense. C'est pas les tabis sont pas déconnantes non plus. Mais bon, il y a un Vladimir qui va donc être full farm. Alors oui, donc où est-ce qu'on va mettre ce Darius? Parce qu'on parlait du bot Darius Blitz, c'est possible. Mais Darius, on le privilégie notamment contre Irelia. C'est vrai, Faker avait fait la même chose. Ouais. Ils vont le coller au mid. Avec un Ghost. C'est exactement le build de Faker. C'est copier-coller. Vous pouvez voir l'historique de Lee Sang-yeok, il y a du Darius de partout. C'est assez fabuleux. Et donc du coup pour une mid lane, ça devient un peu moins évident maintenant d'évoluer autour de cette mid lane. Parce que même si la Spear connecte, faut avoir un petit avantage. Après, face à Darius. Mobile. T'es très très mobile avec Nida. T'es très mobile, c'est sûr. Mais tant que t'as pas les cours uniques, honnêtement, ça va être chaud pour faire valoir tes arguments auprès de Darius en mêlée. Donc les BBQ... Mais ça peut burst Nida, ça peut très bien prendre le meilleur. Les BBQ qui trouvent la très bonne solution au fait d'avoir plutôt une draft mêlée ou très low range, le Blitzcrank. Ouais. Comme ça... Ça ramène. Ça voilà, tu viens ici, t'arrêtes de te balader à distance. Bah, Trundle Blitzcrank, ça facilite grandement le travail en situation de siège. Ça peut être très bien, je pense que ça peut être très très bien pour les BBQ. Et Matrox qui peut un petit peu caler quelque chose. Seule chose qui est réellement dommage pour les BBQ, c'est qu'ils font face à un Rakan avec une composition full mêlée. Et ça peut être dramatique. Ça peut être gênant, maintenant le Rakan peut aussi se faire exploser. Mais bon, on peut pas trop éviter les CC. Et les CC, c'est la vie. Kingzone contre BBQ. On rentre tout de suite dans le match. Le niveau 1 avec le Blitzcrank directement côté BBQ Olivers. On vient prendre la vision sur le raid des Kingzone. Et Blitzcrank gardien de but. On est dans le thème, c'est la Coupe du Monde. Et la Corée joue aujourd'hui? Ou c'est le Japon? C'est pas le Japon. J'ai un doute. Cosby, c'est le Japon aujourd'hui. Japon-Sénégal. Ouais. Un match qui va être sympa. Alors, bon, les Kingzone savent qu'il y a de la vision. Côté BBQ Oliver sur le raid. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Le Atroc, je pense qu'il zone juste comme ça. On va partir au niveau du raid. Côté Trick. Il parle de Talia? Ouais, on dirait. Ouais, j'entends Talia aussi. Maintenant, mon oreille n'est pas très fine concernant le coréen. Donc, je peux pas non plus certifier. Bon, rien de particulier en tout cas au niveau des runes. On a pu faire un tour. C'est du conquérant, c'est de l'électrocution. C'est essentiellement ce qu'il y a de plus classique maintenant. Mais ce match-up mid lane, si compliqué pour une Irelia, le dash-in est rapidement puni. Faut bien comprendre. Darius, c'est le contre qui commence vraiment à être très pratiqué. Bon, honnêtement, depuis la première semaine, contre Yasuo, Irelia, c'est le champion en général qu'on utilise pour dominer ses picks et pour leur rendre la vie infernale en phase de lane. Clac. Yasuo qui est également une très bonne option contre Irelia mid lane. Notamment parce que ton wall bloque le stun. Absolument. Et au jeu du dash, t'as quelques arguments. T'es pas mauvais aussi. Le wind wall qui peut bloquer l'ulti, tout ça.
Yasuo était bien entendu banni. Toujours pas de grab qui fait mouche. Après tout, c'est pas trop le timing pour Ignar. La conversion de Ghost ne va pas être fantastique pour le moment. Tu sens tous ces dashs où tu pèses vraiment le pour et le contre. Ouais, genre tu fais attention quoi. Tu sais que c'est un canon quand même. On m'a toujours dit le canon c'est important. Et voilà, dès qu'on prend un petit grab, il a lâché tous ses spells. Il va avoir une toupie là, Tempt. Paf. Toupie sur BDD. Bon, qui est sous pression. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer autour de cette mid lane. Bah, attends, parce qu'on a les junglers justement qui sont en train d'arriver. Oui. On a fini le clear. Et tu sais qu'il se retrouve juste devant Peanut ici. Est-ce qu'il a le temps de l'accrocher avec un pilier? La morsure directement. Peanut qui prend quelques dégâts. Qui ne pourra pas mettre de spear. Maintenant, tu sais qu'il doit s'enfuir très loin. Il reste encore un Gromp et des Corbins pour chacun des junglers. On va, je pense, bouder des deux côtés les Krugs. Peut-être pas pour Trundle. Pour Peanut, il va falloir commencer à être efficace. Au niveau des opportunités de gank, pour Peanut, c'est clairement le top side qui a son avantage. Mundo, ça ne dépêche pas en early game. Et Aatrox, c'est très vulnérable au gank. Donc pour Peanut, partir top side, faire les Krugs, voir s'il n'y a pas un truc à faire sur le Aatrox de Crazy. Ça semble être la meilleure manière de terminer sa première rotation puisque les deux carapateurs ont été faits. Et les BBQ qui ont ping au niveau du carrefour du bleu, ouais, des King's Zone. Est-ce qu'ils anticipent que Anida est là? Si c'est le cas, Crazy pourrait être surpris dans très peu de temps. Hein, parce que tu parlais de ce gang top, Twix. Ouais, complètement. Et je pense que d'ailleurs c'est un moment parfait puisque là il y a la wave canon. On peut éventuellement aller contester, pas de vision. Au passage, c'était l'anniversaire des 6 ans de compétition de Prey cette semaine. Oui. Trick qui se montre au niveau de la botlane. Oh, c'est peut-être le signal quand même pour Peanut. Qui va préférer rentrer à la base. Il est bas en point de vie, le jungler des Kingzone. Ça a sans doute dû motiver son choix. Ouais, là, c'est... le Aatrox de Crazy qui part en mission. Elle est où cette Nida? Ah, elle a récupéré les Krugs, oh, regardez. Si seulement il était resté, Peanut. Ça aurait été une occasion en or. Mais on perd pas de temps, on back. Attention, superbe double bump ici, hein. Ignar qui peut peut-être convertir un grab pour équilibrer le trade, mais pour l'instant on perd beaucoup de points de vie dans cette botlane BBQ. Ça se passe bien pour Prey et Gorilla. Il y a de nombreux Mystic Shots qui passent finalement pour Prey. Et on a l'air d'être un peu sous pression pour Ghost et Ignar, mais attention encore une fois. Oh là, Tempt, on a le soutien du Trundle, oh, et Peanut qui ne arrivera pas à aller au bout de son action. Oh, et si un kill de chaque côté, BDD qui pourrait tomber également, attention peut-être au pilier, BDD qui se retourne, qui tente le stun, qui touche, qui dash, le shield et le double kill finalement en faveur de Trick. Et c'est le décalage de Gorilla qui vient changer finalement l'issue du fight. Deux kills partout, Twix. Ignar, pour un flash? Non. Non. Oh, le face spam de BDD qui re-rentre dans l'échange, mais... Je suis étonné qu'il ait fait ça. Pas assez de mana pour le dernier Blade Surge. Aïe, aïe, aïe. Ça s'est joué à rien du tout. Mais Peanut, encore une fois, miraculeux First Blood grâce au dernier proc du sabre de l'escarmoucheur. Ouais, c'était vraiment, vraiment close. Oh, c'est tellement bien pour lui. Mais le pilier de Trundle ici, il a été incroyable. On va revoir au ralenti, mais ce pilier a été incroyable. Je crois qu'il a deny BDD, hein, complètement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, il a mis mid-dash. Et ça la bump tel un Alistar. C'était assez fou. Voilà. Ça reprend. Ah, c'est un 2v3. C'est un 2v3 en faveur des Kings. Le burst est là. Ten va rapidement tomber. Les TP. Et on va annuler bien sûr pour Crazy. Pas question de s'engager dans ce bourbier. Directement de l'action à nouveau. Et les Kingzone Dragonix qui passent 1000 gold devant leurs adversaires. Et attention parce qu'il y a un problème quand tu draftes Darius dans un match-up que tu es censé gagner et que derrière, tu es en difficulté derrière, Twix, tu ne sers plus à rien. Ah, c'est terminé. Terminé. S'il est vraiment derrière et qu'il ne peut pas convertir quoi que ce soit, il va se faire one-shot par Nida, limite. En chaîne, il ne pourra pas tuer Irelia qui aura plus de DPS que lui dans le duel. Vraiment, Darius, c'est un pick qui est vraiment pas très gracieux quand il est derrière. Mais bon, il est designé pour être devant. En tout cas, en lane. Et il pas niveau 6, c'est le problème hein, ici. Hein. Au niveau 6, c'est un tout autre fight. Et Trick qui était au carapateur, j'ai l'impression. Ouais. Trick au carapateur. Dommage qu'il soit pas mieux coordonné pour jouer au même nombre sur cette mid lane. En tout cas, Khan de son côté n'a pas l'air spécialement inquiété. Hein. Non, la tourelle a pris quelques dégâts quand même. Mais ça va, tout se passe bien. On a bientôt les Koroniques hein, pour Peanut.
C'est très tôt. Avant les 10 minutes de jeu, sans doute, pour le jungler des King Zone. Après ce bleu, il pourrait très bien. Ah, regardez, l'invade de Crazy. Hein. Sur le red buff, il refresh la vision. Et Tempt maintenant niveau 6, voyons voir si ça calme un petit peu la volonté de King Zone que d'activer cette mid lane. S'il le tue à nouveau et que BDD prend un kill, là ça va vraiment sentir très bon pour les King Zone. Tempt qui revient avec ce blue buff. On sait donc que le Trundle est au niveau du topside. On va faire la même avec BDD et révéler le positionnement de Peanut. Trick. Ouais. Ah, Trick. Un bon angle top lane. Est-ce qu'on peut bumper ce Mundo? On peut diver ce Mundo? Ils peuvent tuer Khan. Il a quand même flash, il a stopwatch. Honnêtement, on n'y croit pas vraiment à ce kill. Ce sera pas un kill, mais ce sera une contre-attaque. Mais dans quelle mesure les BBQ sont-ils capables de continuer l'action? Il n'y a plus de minions. Si, le téléportation. TP directement, Trick utilise. Et l'autre wave qui arrive, c'est pas mal du tout. Hein. C'est bien réalisé de la part des BBQ, ça devrait leur permettre de prendre la première tour du match, étant donné que Prey et Gorilla sont quand même bien en retard sur le push. Et on est lancé, alors dommage qu'il n'y ait pas de héros de la faille par exemple, là ça aurait été la situation parfaite. C'est sûr. Pour le lâcher, mais voilà, on est près 10 minutes de jeu tout de même. Donc n'allons pas trop vite. Undo un peu seul, le trap, le piège est tendu au niveau d'Ignar sur la transition mid-top. Bon, en ce temps-là, bien sûr, Prey et Gorilla qui vont récupérer cette tourelle. Alors, ça coûte un TP à Ghost, ça offre la première tourelle. Donc quoi ouais. qu'il arrive, il y a un côté rentable à tout ça, c'est bien sûr pas raisonnable de le nier. Par contre, c'est vraiment free farm pour Prey. C'est free farm pour Prey, c'est free XP pour Prey, et surtout, Ghost, il a rien pris top lane quand il est parti TP, finalement. Ouais. Il a rien pris du tout. Donc l'écart en CS, il commence à être huge. 30, c'est beaucoup, hein. Et en plus de ça, on peut faire le dragon côté King Zone. Ah oui, puisque tout le bas de la carte est déserté, bien sûr, et c'est un dragon des océans. Donc oui, c'est sûr que le Blaze en lui-même permet d'avancer, mais est-il globalement rentable? Ça, c'est vrai que c'est pas sûr. Ouais, je ne pense pas personnellement, mais ça dépend de ce qu'on fait de cette première tourelle. Ça dépend si on arrive à piéger un petit peu les King Zone, à arriver à déclencher un flank. Il est seulement niveau 6 Ghost du coup. Après tout, ouvrir la map, c'est une condition essentielle pour les BBQ. C'est une composition mêlée avec un Blitzcrank. Donc on a besoin de prendre possession du terrain adverse. Pour l'instant, pas de hook vraiment déterminant de la part d'Ignar et on est 10 minutes dans la partie. Oui. Normalement, Ignar ne déçoit jamais ses fans. C'est sûr. Ah oui, oui. Ça, c'est... Il y a toujours un truc qui va se passer. Ouais, bon, encore une fois. Il va prédicter un des dash de Peanut, il va le grab. C'est pas une game de Blitzcrank assez facile. Hein. C'est pas simple. Non, ça c'est clair. Après, c'est vrai que son grab, par contre, s'il passe, c'est à peu près un kill. Hein. Toute logique. Et défendre la pink. C'est parti. C'est pas mal. Faut lancer à Ignar. Darakan, la spear. Oh là là. Voilà, c'est loupé. C'est loupé pour Ignar. Les BBQ qui doivent reculer. Il a voulu projeter le dash, hein, je pense, hein, comme tu disais. C'est dommage qu'il ait pas lancé son grab avant que la spire ne touche. C'est tout le temps ce qu'il va chercher de toute façon, c'est Nidar. Ça va être assez marrant, je pense. Enfin, j'espère, tout du moins. Et le héros de la faille, ils veulent le chercher, BBQ. Ils veulent forcer les King Zone à sortir de leur zone de confort. Ils ont ce Darius, ils ont ce Blitzcrank. C'est sans doute une bonne idée. C'est l'occasion rêvée et au pire des cas, on récupère le héros de la faille. Faut récupérer cela dit, Trick. Non, ça passe par Ignar qui a tout mis sur cette phase de jeu et maintenant les BBQ qui doivent reculer. Sur la spire qui frôle. Elle aurait pu faire, elle aurait pu être dangereuse celle-là. Maintenant le push de T1 top. On a de quoi wave clear avec Vladimir, bien sûr, aucun souci. Overdive qui a l'air de s'organiser. C'est du 2v3 pour le moment, hein, pas idéal vraiment pour les King Zone. On a encore Khan qui fait des siennes bot lane. De l'autre côté, le match-up mid qui suit son cours sans vraiment donner d'opportunités supplémentaires. Je pense que ça va au King Zone, hein. on voit 3 joueurs au top, encore une fois. Bon, le Trundle vient de back. On veut dive Darius. Non, on veut simplement récupérer le red buff. Voilà Khan qui va aller le zoner.
Un petit peu en retard niveau d'expérience, Khan. Voilà. Du bourreau, ça peut faire la diff ici. Oh là, et on a le passif de ce Aatrox qui vient de proc. Thème qui arrive directement. Bon, la stopwatch du côté de Crazy qui va lui faire gagner encore du temps, mais pas suffisamment. BDD pourra prendre ce kill. Les Kings of en même temps s'orienter vers le trundle de Shriek qui va flash out. Ce stun n'était pas loin. Pas loin et une pire quand même en cadeau. Kingzone qui s'impose dans la jungle des BBQ et qui, au passage, gratte quand même la stopwatch, le flash de Crazy, le flash de Trick. Ouais, et pourtant c'est Crazy qui a engagé tout ça, il pensait avoir une vraie opportunité sur Khan. Au début ça partait bien, on sentait l'effet de la marque du bourreau. Cependant, l'absence de stopwatch, enfin... Non, finalement il y a une stopwatch également sur Mundo, donc... Ouh, ok. Et on n'avait pas vu ça, on d'accord. On n'avait pas vu, ouais, dans... D'accord. C'est exactement au même moment que le premier fight. Bah c'est bien joué, bah... C'est Rakan. C'est Rakan. Effet Rakanisé. Héros de la faille, mid lane qui est invoqué, BDD seul à la défense pour le moment, téléportation immédiate. Oh, ils vont pas perdre la tour sur ce héros. De hein, la part de Prey. Il est pas... Ah est non, pas... non, du tout, il y a une charge qui il passe. Il est pas fou ce héros, hein. Il est vraiment pas terrible de la part des BBQ Olivers. Après, auront-ils une meilleure occasion? C'est pas dit, hein. Ah ça... Je pense que plus la game va avancer, plus ils vont se faire zoner par Ezreal Nidda. Bah oui, mais c'est leur très gros problème. Hein. Et encore une fois, beaucoup de choses vont reposer sur les épaules d'Agnar. Ouais. Est-ce qu'il va pouvoir mettre ce grab? Sachant que, après mettre un grab, comme on l'a dit, si c'est sur Mundo par exemple ou Irelia, t'es pas garanti de non. succès puisqu'Irelia a son shield, Mundo c'est Mundo. Et derrière, s'ils ont du retard. Ils ont pas un autre RTC pour aider Ignar à lock la personne. Non. Il y a certes le power punch, hein, bien entendu. Mais à part ça. N'est que du ralentissement. Éventuellement un saut d'Aatrox, mais c'est pas fameux non plus. Bon, on verra comment ça se dégoupille. Et, Ghost également a un gros rôle à jouer ici avec son Vladimir. Même si l'avance en CS en faveur de Prey est assez énorme. L'XP surtout, Twix, moins 2 niveaux. Depuis tout à l'heure, on le voyait, hein, ce fameux TP top. On le disait qu'il avait perdu beaucoup d'expérience. Là encore au top, il défendait à 3v2 jusqu'à un long moment. Puis après, il se fait dive Ghost. Donc tout ça s'enchaîne et ça a un gros impact sur son niveau actuel. Il vient de passer niveau 9 et il est actuellement en souffrance face au Ezreal de Prey. Absolument. Ça veut pas dire qu'il va pas être capable de le one shot. Non. Une fois niveau 11 avec l'hémoplague et la totalité du combo. Mais je suis moins convaincu quant à sa performance contre les autres champions de cette partie. Et en premier lieu, Irelia. Et pour l'instant, l'optimisation tend vers la résistance physique et non magique. On va dire que Ghost a toujours de quoi faire des miracles pour le moment. Dragon qui intervient. Second dragon des océans potentiels pour les Kings on Dragon X. Ça c'est tout bon. Naturellement, il ne faut pas leur laisser un côté BBQ. Mais ont-ils vraiment le choix? Oui. Ouais, Ignar qui tentera pas ce grab. On l'attend. Peut-être au niveau du dragon. Parce que s'il le laisse passer celui-là, les BBQ, ça va être embêtant quand même. Hein. Kingzone va bien s'installer. Moi, Mundo avec deux dragons des océans, ouais, c'est... plus une Nidda qui le heal. C'est pénible. Hein, j'ai pas envie de jouer. Hein, non, c'est très pénible. Donc je pense que vraiment c'est. C'est à ne pas laisser, mais en même temps, ils ont pas de vision. Le Aatrox a l'air d'être plutôt parti top, donc je pense qu'on va le laisser passer ce dragon. Waouh, 800 de dégâts pour Ghost pour l'instant. C'est vraiment une ligne face qui était pas folle. Et là, ils sont contents, les Kingzone. Ce deuxième dragon des océans leur ouvre un chemin vraiment solide vers la victoire. Ça fait pas tout, mais. On va dire que dans l'accumulation, avec leur avantage gold en plus, ça commence à être urgent pour les BBQ de réagir. Mais bon, le Darius a pas d'item. Non, il a rien. Il a rien. La Darder phase. 16 minutes de jeu, R. Ah, quelqu'un qui a appuyé sur pause. Eh bien. Qui aura ce CS? C'est le quiz de la journée. Oh. Ah non. Non. Je sais pas ce qui s'était passé. Bon, en tout cas, Kingzone qui est bien lancé dans ce match. 4000 gold d'avance, Twix. 2 tours à 1. Rien à dire. Peut-être une troisième bientôt. Ouais, il y a un timing assez important pour les BBQ qui va se jouer très bientôt. On peut voir les chronomètres qui se multiplient dans les inventaires. Ouais.
On sent que le teamfight arrive potentiellement. Ouais. Ignar et Ghost essentiellement. De l'autre côté, on va avoir une idée des Lich Bane. Dire à quel point elle est confiante un petit peu hein, sur ce qui va se passer. Et Prey qui ne va pas explorer la piste du Gantlet Givrant, mais qui partira simplement sur une Trinité. On a de gros problèmes, on ne peut pas défendre cette tourelle. Bah, soit on a un grab du Blitzcrank qui passe, soit c'est difficile, ouais, du côté des BBQ Olivers. On peut voir sur les positionnements sur la map, on peut observer que les BBQ perdent vraiment du terrain et que ça se voit. Ils sont acculés sur le coin inférieur gauche de la map, leur base. Il y a une ligne de vision qui les empêche totalement d'avancer. Toutes ces pings côté Kingzone. Et on peut presque faire la diagonale au niveau de la T2. C'est ça. Non, ils ont un énorme contrôle actuellement, les Kingzone, voilà. Les champions en titre de Corée. Justement, l'observateur nous montre un petit peu tout ça. Donc personne ne peut vraiment passer sans être vu. Donc la jungle se fait taxer. Allez, on y va. Et même du coup, Twitch, bah, il est en sang, quoi. Je trouvais qu'il a, ouais, il a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il doit laisser le pharmacie carry et Ghost. On a vu beaucoup des trundles, hein, mais là ce sera un trundle vœu du chevalier et titan cendré. Hein. Nettement moins glorieux que toutes les autres versions qu'on a pu voir. Et ça, c'est le snowball des Kingzone qui prend place. Ils sont en train de les asphyxier petit à petit. Et il y a la Trinité maintenant sur Prey. En plus de la Muramana, en plus d'un petit item supplémentaire peut-être hein, si on a le budget. Oh, sceptre vampirique, hop, et la téléportation mid lane, et on retourne à l'attaque. Et voilà, ils sont prêts hein, les Kingzone, ils ont l'air, ils attendent la 20ème minute. On a déjà préparé, on a posé les jalons du futur baron, c'est ça, côté Kingzone. Il n'y a aucun doute sur l'issue du prochain fight. Avec un tel setup, ce serait vraiment incroyable que les BBQ arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ils vont être vus, attendus, kaités, zonés, push. Le moindre mauvais call qu'ils pourraient faire serait puni au centuple. Donc la situation très délicate. Et ça touche du côté de Prey. Allez, on commence à nettoyer la vision chez les BBQ. On donne pour l'effort de guerre. Oh là, j'ai cru qu'il toucherait celui-là. Ah, il enchaîne bien après. Hein. Là, avec Gorilla, Ghost peut pas faire. Enfin, peut essayer de mettre un ult, mais. Quel intérêt. On sent bien que ça donnerait pas grand-chose dans cette situation. Il a besoin de ses coéquipiers à côté de lui, tout simplement. Avec Spellbinder et la Stopwatch, il peut faire des trucs, hein, potentiellement. Ils ont besoin d'un autre item, de toute façon, les joueurs de chez BBQ. Actuellement, s'ils partent à la bataille dans cet état, regardez la différence entre Vladimir et Ezreal, il n'y a pas de match entre les deux. Ouais. Après, là, il est. Il faut un item. Il est on point. Il faut qu'il y ait un bac qui passe quelque part. Au moins un objet et demi, c'est vraiment le minimum syndical. Et les BBQ qui font des va-et-vient constants. On essaie de contrôler les déplacements des Kingzone, en tout cas de les suivre autant que possible. Mais le baron est là, donc fini de jouer côté les Kingzone, je pense. Les Kingzone qui attendent quelque chose, certainement un nouveau bac collectif. Le bac de Peanut, hein, sûrement, pour avoir Lichbane, Zonia, quelque chose du genre. En tout cas, il a fait toute sa jungle, Peanut, hein, vraiment du Gromp au Krugs, il a tout rasé. Le farm des Kingzone en général est vraiment, vraiment impressionnant. Le 250 à 180 botlane, il fait mal. C'est pas super Ezreal, hein, c'est Ezreal normal. Oui. Et c'est limite plus haut que ce qu'a collé Uzi pendant le MSI. Après bon, il a vraiment une game pépouze, Prey. Ah, ça va, hein, finalement, il n'y a pas eu de grab qui les ont mis en danger bot. Non. Ils ont réussi à gagner vraiment cette phase de lane, notamment grâce à l'excellent Arras de Prey. Et voilà, du coup, maintenant on est dans une situation complexe. Donc, côté Bill Oliver, Trick sous le feu de l'ulti, Irelia. Oh, le pilier! Oh, le pilier était vraiment pas mal pour le coin. Il force le flash out de BDD et double TP. Crazy,
Crazy qui abandonne une nouvelle fois. Et c'est Spear qui touche. Et les BBQ qui reculent. Et le Baron là. Ouais. S'ils ont une trace du bac de Trick qui est vraiment très bas en point de vie. Je pense qu'on est plus intéressé au, à ce niveau-là de la partie. Autant faire la triplette Dragon des Océans. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est là. C'est trop beau pour s'en priver. Red buff, dragon, back et Baron Ashore par-dessus. Là, c'est vraiment le côté safe de la force. Bah, le Mundo et. Enfin... les trois dragons des océans, les mon gars. Mon dieu. J'imagine quand il aura sa Warmog, franchement. Ah crois, en combien de temps il passe de 1% de points de vie à 100%? Ouais. Colle une Warmog. En plus, il a la Warmog. Ouais, il a la Warmog, justement. C'est là où je me demande. J'ai envie de voir. Ah, je pense que c'est. Là, j'ai envie de voir. Comme si tu prenais une bouteille de 50 centilitres, tu la mets à donf sous le robinet, tu vois. Ouais. Mais à donf de chez donf. Ça va rapidement exploser. Et il est là. Le rêve de tout Mundo. Le rêve mouillé, on parle d'un dragon des océans. Ouais, complètement. Il est très wet, ce rêve. Ouais. Là, c'est parfait là pour Khan. Même pour Ezreal, c'est tellement idéal aussi. Ah oui, c'est toujours très avoir une Muramana maxée pour un max de dégâts sur les tirs mystiques. Pour Nida, c'est incroyable également. Mais non, mais c'est parfait là pour Kingzone. Il leur manque vraiment que le Baron. Et quand ils auront le Baron, eh bien, ça risque de rouler sur le match. Et c'était ça. Hein, ils attendaient simplement le Zonia, le Sterak, les deux items vraiment. Les Kingzone respectent le pattern, deux items, on va au banc. Très bon, si Prey en a trois, c'est parce qu'il est meilleur que les autres. Un ulti de Prey. On cherchait le style. Les Kingzone qui n'ont pas encore la situation qu'ils souhaitent, il semblerait, pour jouer le Baron. Est-ce qu'ils veulent attendre vraiment le Lich Bane de Peanut? Ça, c'est. Ce serait la cerise, on lui donne du farm à Peanut, mine de rien. Ouais, il a eu une partie de la top lane. Toujours dommage de fight avant de compléter son objet, surtout si c'est imminent. Donc, pourquoi pas. Mais bon, à force de trop ouais, ils ont tellement de vision, les Kingzone. Ils réinstallent. Et surtout, on clear la vision adverse pour voir le nombre de pink ward hein, qui reste encore malgré tout dans leur inventaire. Le Mundo qui a remonté la carte. Ça va essayer de mettre la pression sur la T de top. Oh là, c'est le moment de faire des grabs. Hein. Regardez, pink ward sur les loups. Hein. Let's go. Ragnar qui trouve pas d'ouverture. Cette pink ward, elle est très problématique. Et comment tu fais pour les BBQ? Il n'y a pas trop de solutions là. Tant qu'Ragnar ne touche pas. Ils n'ont pas une info et pourtant ils savent malgré tout qu'il y a 4 personnes dans cette jungle. Ils doivent y aller en escouade serrée. Et même comme ça, c'est pas garanti. Les pink wards les empêchent de progresser. On est obligé de scout un petit peu à l'aveugle. Il peut y avoir des spears, des engage Rakan de partout. C'est le all-in. Ça a saoulé Crazy. Bah ouais, mais comme, encore une fois, le Mundo, s'il veut pas mourir, il ne meurt pas. Bah, une manette et il fait demi-tour. Hein. Et il one-shot la wave passage. C'est Mundo. Quelle aberration ce pic quand même. Après je dis aberration, enfin je trouve ça marrant, j'ai toujours adoré Mundo, surtout avec ses skins. Le Mundo port. Où tu regardes tout ce qu'il y a de défensif et tu prends. Ouais non c'est. Allez, le Baron Ashore, situation idéale, on a vu qu'il y avait un back collectif ici côté BBQ. Et donc c'est Khan qui fera office de patrouille de France. Il le lâche très tôt les Kingzone, il s'engage directement. Ouais, Ghost qui a pas survécu, un Gorilla qui continue à chercher un engage. Double kill pour BDD, Kingzone qui s'impose facilement dans ce fight. Ah, c'était exactement ce que les BBQ redoutaient, ce fameux moment du face check into des pop. Pour Kingzone, bah, on a attendu l'erreur, mais on peut voir qu'ils ont une marge d'erreur qui... Ouais, c'est gagné. C'est à peu près gagné là. Non. Trois dragons des océans, les gars. Ils ont lâché un petit billet à la fin. Ah, le grab sur Mundo. Oh, le flas. Oh, ils y vont. Attends, ils ont encore une stopwatch. Hein. Il a stopwatch. C'est pas fini. Il régène. Oh,
le slow. Oh, nouvel Ignite. Il est tag. La stopwatch. La stopwatch. La Nida, il va se faire heal. Ah, il va mourir. Non, non. Pilote qui a pas osé faire cette mission commando pour aller lui mettre ce heal. Giga victime, Pinote, giga victime. Puis il a un Zonia. Elle est où aussi la solidarité? C'est ça, une petite spear, il saute. Isonia, il prend l'agro pour son bro. La bro. Pour la bro. En tout cas, les Kingzone, bon, malgré la mort de Semundo qui reste bien devant, mais qui perdent un peu de temps quand même d'utilisation du baron. Ça devrait pas changer grand chose au match. C'est vrai qu'ils perdent du temps. La wave arrive, top lane, elle est préparée. Mundo va certainement TP top, hein, en vrai. Ah non, il a plus de baron, je suis bête. En tout cas, il faut prendre la wave top, ce serait dommage, ce serait gâché. Regardez, il y a Aatrox qui y va. Et ça, ce déplacement... Après, soit il est puni, soit on va à l'opposé. Après, ouais, le problème, c'est qu'il n'y a que des T3 à prendre, là, côté Kingzone, à part sur la top lane. Ouais, mais il a bien fait, Crazy. C'était le bon moment pour wave clear. Bon, en tout cas, les Kingzone cherchent vraiment max sur leurs objets. Cherche un TP pour Prey. Plutôt top, plutôt bot. Plutôt mid. Au final. Il attendait simplement les gold pour faire les 75% de sa Malmorsus. Pour contrer ce Vladimir qui, il le sait, arrive malgré tout. Ah, il faudra quand même s'en méfier de Ghost. Il a Spellbinder plus Rabadon. Donc sur un bon ulti, il peut quand même être problématique en teamfight. Après, l'avantage, c'est que c'est assez visible un Vladimir qui veut de One Burst. Généralement, il va pas y aller quand sa barre de drain est vide. Même s'il n'est pas forcé d'attendre le super drain non plus. Et au top, Khan. Bon, il est imbougeable, Twist. Ah là, c'est sûr qu'il va falloir s'y mettre à plusieurs, hein, comme tout à l'heure. 828 de dégâts pour le Vladimir. Oh, ça a pas avancé depuis tout à l'heure. Waouh. C'est dur. Incroyable. Il va falloir lâcher un all-in, hein, quand même, Ghost, parce que là, on va battre un record et pas dans le bon format. Il se fait genre salement out damage par son Blitzcrank. Franchement, lâche un ult, même si ça sert à rien. Ouais, enfin. Un sursaut de fierté. Voilà. Au-delà du résultat, il y a l'honneur. On rappelle, hein, League of Legends, c'est comme le football, hein, c'est un sport ou un e-sport collectif. Mais les carrières se jouent de manière individuelle. Oh là là, Ragnar qui a pas mis un grave. Carrière individuelle. Je suis déçu parce que du coup, j'ai l'impression de vous avoir un peu menti, vous qui nous suivez. Je vous ai dit, il va y avoir de la magie avec le Blitzcrank d'Ragnar dans tous les cas. Comme le fameux Kane. Ouais, comme le fameux Kane de Xerxes, ouais. Qu'on avait encensé et qui a rien fait. Allez, les catapultes qui font... Oh, le baron a fade. Et c'est le moment qu'on choisit pour engage. Allez, c'est lancé. Oh, ça peut être intéressant peut-être. Non. Ce n'est plus intéressant, c'est déjà terminé. C'est un massacre, hein, les Kingzone en fait, qui étaient hyper dominants. Il y a un moment où j'ai vu des barres de vie, toujours BBQ, en place. Et je me suis dit peut-être que, mais non, Kingzone qui roule sur le fight et qui finit ce match. Tweak tout simplement, facilement, Kingzone Dragon X qui s'impose 1-0 dans ce BO3 face au BBQ Olivers. Ah, une victoire très nette, même si le dernier teamfight était complètement optionnel. Pff, ouais, mais tu sentais qu'ils allaient se faire rouler dessus, les BBQ Olivers. Voudrais revoir l'ultime teamfight. Il a été assez bien mené. Rivia s'est fait plaisir. J'ai vu un multi d'Irivia qui était fou. Ouais. Un multi sur tout le monde. Très compliqué à commenter d'ailleurs ce teamfight. Il ne faisait qu'un pendant quelques secondes. Avant qu'on se rende compte qu'il ne restait que 5 personnes. C'était 5 Kingzone. Victoire ultra dominante donc. Composition mêlée qui n'a pas donné vraiment grand chose pour les BBQ. Blitzcrank Vladimir. Blitzcrank Vladimir là, qui a vraiment rien donné. Voilà. Est-ce que Vladimir a pu out DPS son support dans cette ultime fight. Je sais pas, parce que le Blitz il a dû mettre un ulti au moins. Ouais, est-ce qu'il a fait pareil? Je sais pas, hein, mais on va avoir la fiche de match après de toute façon, donc on saura. On saura, Twist. N'hésitez pas à miser bien sûr sur le chat. Vous êtes plutôt Team Vlad ou Team Blitzcrank? Je crois que Blitzcrank c'est Ignar quand même. Et qu'on l'aime plutôt pas mal.
Mais voilà, Kingzone, comme prévu aujourd'hui, un match sur le papier facile et qui s'annonce, on dirait bien, comme prévu, Chip. C'est en train d'être facile pour l'instant. Il n'y a pas eu trop de problèmes, honnêtement, rencontrés par cette équipe des Kingzone Dragonix. Maintenant, il faut voir, BBQ Olivers reste une équipe qui peut surprendre, mais là, j'avais un Blitzcrank pour Reinhardt, donc enfin... Et il n'y a rien eu. Il n'y a rien donc eu. Donc là, j'ai rien. Beaucoup du mal à y croire pour la prochaine rencontre. Je dois l'avouer. Ouais. Hein, c'est... Il va falloir une réaction, mais on ne sait pas de quelle sorte elle pourrait être du côté des BBQ Olivers. Ghost a l'air d'être bien en dessous quand même. C'est peut-être pas son. Peut-être pas trop sa. Ouais, sa cam. Hein, ce... Peut-être, Vlad, mais bon, etc., mais... il n'était pas non plus irréprochable sur des carrières des classiques. Donc Ghost, peut-être qu'on va faire rentrer Aries hein, du côté des BBQ Olivers, qui n'est pas non plus. C'est pas non plus un gage de qualité au niveau d'Uzi, mais on peut estimer qu'on va excéder les 1500 points de dégâts sur Vlad. Peut-être, peut-être. En tout cas, on se retrouve juste après la pause sur Gaming pour la deuxième rencontre entre BBQ Olivers et les Kingzone Dragonix. A tout de suite. Et nous sommes de retour pour vivre avec vous, revivre avec vous plutôt les meilleurs moments du match. Enfin, plutôt ce dernier teamfight. Pour le coup. Et alors non, il a non pas fait un il a pas fait un dégât dans un point de dégâts dans le team fight. Il a rien. Il y a pas de bouclier donc il y a enfin si il y a Raken. Genre il s'est fait contrôle tout death, il a rien fait. 828 damage en 30 minutes avec Vlad. Tu ça va rester hein. Oh là là. Ça va rester pour Ghost qui il va se faire flame sur son pseudo déjà pour commencer. Mmh. Et 828 avec un Vlad qui est censé avoir des dégâts incontrables. Hein. C'est un peu comme Karthus, tu peux pas y faire grand chose. Un Spellbinder, normalement. Alors, en même temps, tu mets ton E, tu te mets en flak, tu lâches un drain, un ulti. Enfin, c'est bon quoi. Tu triples tes dégâts quoi. Tu triples tes dégâts, exactement. Je me dis, enfin, s'il a mis quoi, 2 transfusions. Non, mais il y a un manquement de DPS. C'est terrible. Je veux bien croire que les situations n'étaient pas propices au bon développement d'un Vlad. C'est en fait, mais. Gorilla. C'est le Rakan. Ouais. Il a été déterminant, Gorilla. C'est bien, ouais. Beaucoup d'engage. Ghost, notamment, on a fait les frais. Hein. On se souvient de cet engage où il était seul sous sa tour et il a pris un 2v1. Ouais, c'est le jeu de la vision vraiment qui a fait la différence chez Kingzone. J'imagine qu'on veut le récompenser aussi sur ça. Impressionnant sur la vision. Hein. 86 de score du vision, encore une fois. Bon, voilà, niveau ratio, etc., je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais ce qu'on a vu, en tout cas, c'était un contrôle incessant de la vision dans la jungle ennemie et il a définitivement joué un grand rôle là-dedans puisque il était le seul titulaire de la Sidestone. Contrairement au BBQ, il y avait Vladimir qui avait aussi la pièce antique qu'il a converti en item support jaune. Voilà, j'ai pas tous les mots non plus mais... En vestige du veilleur. Non, ça c'est le bleu. Oh, je ne sais plus. Quoi qu'il arrive, on rentre dans la phase de draft numéro 2, Kingzone Blue Side, BBQ en red. Et les Kingzone, donc, du coup, qui ont l'occasion de jouer une super carry comp s'ils souhaitent s'exercer à cet art martial. Et on voit que, en tout cas, que le ban de Kai'Sa, lui, il ne bouge pas chez BBQ. Et on le voit, Blue Side, les combos mid, jungle esclave, super carry, etc. Comme vous voulez l'appeler. Migateno carry. Eh bien, on les banne quand on est red side. En tout cas, du mieux qu'on peut. Fan de Vladimir pour Kingzone, c'est dommage. C'est vraiment dommage en privé Ghost. C'est vraiment dommage. Et enfin, on va terminer côté BBQ. Petit Irelia, une petite Zoé, quelque chose. On va laisser Zoé Irelia open, comme ça s'ils prennent Zoé, on prend. Bididi est trop fort sur Zoé. On va retirer, mais du coup c'est Free Irelia éventuellement, si on veut se laisser tenter. Free Brome, Free Nocturne. On pourra prendre le chêne, mais on pourra pas prendre chêne Lulu. Pour les BBQ. Donc soit on prend l'un, on laisse l'autre, soit on prend les deux, soit on ne prend rien. Et prendre les deux, ça mettrait un sacré coup dans la composition. À moins qu'on mette une petite Camille jungle, elle est dispo. 80% de win rate nocturne. Ah mais en fait, tu peux prendre Lulu Shen, hein. Lulu Shen ou Lulu Galio, enfin ouais. Tu peux prendre deux combos et mettre une Camille jungle juste derrière. C'est ok. Talia, oui, Talia dispo, en effet. Excellente Talia.
un des quelques joueurs à avoir fait un pentakill avec le pic. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais lui en tout cas l'a fait. Allez, on restera sur Aatrox. Du coup, pour Kingzone, c'est Automundo, Autochain, j'imagine. Ça, bah, là, y a pas trop le pas choix. Pas trop le choix, hein. Mundo Chain, ça me paraît être les deux meilleurs choix ici. Vu le succès de Khan sur le. À moins que Khan ait envie de changer d'ambiance. C'est possible aussi. Même Prey, ouais. Il t'a des petits mouvements. Ah, finalement pas du tout. On va changer de registre pour les Kingzone. On va prendre une botlane. Et quelle botlane ultra safe. Et derrière on va accompagner la Lulu par une Camille. Ce qui semble logique jusqu'à présent. Donc ban. Phase de ban numéro 2. On rappelle Red Side. On a le dernier pick et le premier de la phase 2. Ce qui fait que là, les BBQ ont le choix sur 3 champions globalement. 2 à bannir, 1 à sélectionner. Et on commencera par Moon. On terminera par Shen. Non, on va commencer par Mundo, on va ban autre chose. Et s'il y a encore Shen dispo, on le prend pour nous. On le prendra sans doute clairement. Pour nous, ouais. Tu mets la Lulumi de l'Aatrox Top, le Shen bot, tu prends n'importe quoi pour Ghost. De toute façon, on ne fera pas de damage. Ils ont toujours la possibilité de jouer un Galio mid également, les Kingzone. Carrément. Mais c'est vrai que je suis surpris qu'ils aient piqué Ezreal, Tahmkench maintenant, les Kingzone. Ou alors c'est vraiment qu'ils ont, ils sont pas inquiets sur les combos potentiels avec le Nocturne et ils ont des trucs en réserve. Ouais, il est un peu à nu ce Nocturne pour l'instant. Pour l'instant. Et on sait qu'en Corée ça se... Oh, on laisse pas trop sur la situation avec LED. Une information incroyable qui leak en direct LED. Live de la LCK. Khan terroriserait les Aatrox du ladder avec son Kled. Ce ban là il est... Soit il est factice, soit il est ciblé. Il y a eu un Kled tout à l'heure joué en Chine. Bah alors... Ça... Kog'Maw. La Kog Lulu. Kog Lulu. Du coup, est-ce qu'on est plutôt Shen ou pas Shen? Parce que si le Shen on le prend pas, non. Non, ce sera pas joué par Khan non plus. Ils le prendront pas, les Kingzone. On restera sur Galio. Allez, ouais. Kingzone maintenant. On doit du coup, révéler. Effectivement. Délicat de prendre Shen pour les Kingzone. Ça veut dire que tu es en 1v1 contre Aatrox. Ou alors ce Tahmkench. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'a Khan dans son arsenal face à Aatrox? C'est ça la question que cette draft pose. Je pense que c'est un Renekt qui. Un Renek. Un Renek. Un Renekt. Un Renekton. Et la Thalia par-dessus pour BDD, composition très dynamique. Elle est aggro la draft des Kingzone, enfin, notamment là, les deux derniers picks qui... C'est toujours pareil, c'est BDD sur Thalia, ouais. Khan sur Renekton, donc deux champions qui peuvent être très dominants. BDD qui est tellement fort sur Thalia. Ah, pour le coup, le Shen est ok, mais est-ce qu'il a encore sa place dans la draft des BBQ? Ils ont déjà Camille Galio, hein. Ouais, ça devrait être suffisant. Après, ça va faire overkill avec Lulu. Qu'est-ce qu'on voudrait prendre? Est-ce que cette Lulu est support? On n'a pas de Kyriade sur lequel rebondir. Ezreal est pris, Lucian est ban. On a éventuellement Varus. Non, ce sera des, un Brome. Si c'est des bonhommes, go Tahmkench, hein, mais. Enfin, Tahmkench, Draven. Brome Lulu bot, donc. Ouais. Je pense pas que ce soit un Brome jungle. Enfin, un Brome fantôme. Non, ce sera bien Brome Lulu. D'accord. On va vraiment se baser sur le combo Galio Camille pour mettre des engages. Derrière, le Aatrox sera le méga carré d'équipe. Sachant qu'avec Camille et Galio, tu ne manques normalement jamais d'engage. Ouais. Maintenant, la pression de lane des Kingzone risque d'être très très lourde. Enfin, après, topside hein, notamment. Vraiment topside, mid. J'ai encore du mal à voir ce que BDD, sachant que Thalia n'a plus ses dégâts en zone sur son sur ses rafales filées, à quel point tu peux pousser un Galio sous sa tour. J'ai un peu du mal à. Je pense que malgré tout, voir. Galio a beaucoup de mal à mettre toutes ses auto-attaques de passif au bout d'un moment. Peut-être, ouais. Et après, bot. Ça dépend de l'agencement de la lane. Il y a un embrasement, hein, j'ai l'impression, sur BDD. S'il n'a pas changé en tout cas, il joue avec un Ignite. Eh bien. Pour un Galio, ça peut faire peur.
Alors, en toute logique, on ne veut pas trop voir Peanut sur la mid lane. Avant le niveau 6, du moins. Ce match-up top qui va, je pense, mettre le plus d'ambiance dans le début oui, de ce match. Oui, je pense que le Renekton contre la Aatrox. Bah surtout que Khan prend l'un des tout meilleurs champions du jeu en solo, en early game, contre un champion qui a un très gros potentiel de scaling et qui sera vraiment le carry ultime normalement de l'équipe BBQ au bout d'un moment. Et Khan va faire en sorte de ne pas le laisser atteindre ce stade de son évolution. Absolument, dernier match de la semaine numéro 2 en LCK, Kingzone contre BBQ, game 2. On est parti, 2X 1-0 pour les Kingzone suite à un match 1 très maîtrisé. Et maintenant, on attend de voir s'il peut y avoir réaction côté BBQ Olivers. Avec donc ses 4 TP. Poulio. Ce skin poulet. Poulio. Donc, c'est les BBQ Olivers. Hein. Ouais. Donc forcément, Poulio, ça mérite un petit focus. C'est pour les sponsors. C'est des OPSP. Bididi qui joue le jeu. C'est une opération de com très audacieuse de BBQ Olivers. Manger du poulet, vous dit Galio. Des messages subliminaux qui sont passés. Regardons les runes fondamentales maintenant. En presse attaque pour Renekton, on ne sera pas en conquérant. Pour le reste, on est sur du classique. Si ce n'est sur Poulio, justement. Que ça, c'est un Poulio qui peut très bien partir en proto-belt. Hein, avec cette électrocution. Ça arrive des fois, Galio proto-belt. C'est sympa, Galio électrocution. Ça. En début de partie, ça surprend vraiment. C'est le combo pass. Tout le monde trépasse. Ouais, après, j'aime beaucoup quand même la sécurité qu'apporte l'aftershock. C'est un peu ça maintenant. Tempt, indirectement, c'est devenu une cible viable pour Peanut. Pas mal certes, mais devant un spell shield, ça n'a pas beaucoup de sort hein, Galio. Voilà, Trick qui traverse toute sa jungle et qui est directement repéré c'est vu. Par cette ward pour Khan. On a Peanut également qui est en train de remonter et qui pourra sécuriser le Carapater. Les BBQ Oliver sous pression dans ce début de partie sur cette top lane. Comme prévu, mid, ça a l'air de bien se dérouler également pour BDD qui est en train d'outpush le Galio de Tempt et Peanut qui récupère les quelques wards qui traînent. Ça, c'est le genre d'early game qui canon dont sont capables souvent les Kingzone Dragon X. Ça peut aller très vite. Hein. Peanut qui chasse, Peanut qui vole. Est-ce que Trick. Qu'est-ce qu'il va aller faire ses golems. Regardez, on a le manteau nuageux pour Talia, encore une fois. Même problème qu'avec Galio tout à l'heure. Le saproc quand tu sors. Quand tu descends de ta plan. Assez court, 2 secondes 5, mais voilà, c'est intéressant comme choix. Parce que c'est une toute nouvelle maîtrise, toute fraîche, ouais. 8.11. Et les Kingzone, au niveau de la botlane, qui ont l'air bien dominants aussi. Pourtant, Lulu, ça a dû clear. Mais on voit que Prey et Gorilla sont en maîtrise. Ouais, tant que Ezreal arrive à maintenir son passif, ça ne peut que bien se passer au niveau du push. C'est quand même 50% attaque speed. Hein. Ouais, ouais, c'est énorme. Sécurise des carapateurs. Hein. Vous pouvez voir le décompte des carapateurs en haut à côté des tours. C'est une information qu'on a que sur Spotify. Et donc, c'est le deuxième pour les Kingzone. Contre zéro, donc les carapateurs qui sont aussi un assez bon indicateur de la domination d'une équipe. Complètement. Domination de la rivière. Et la rivière, ça implique quand même qu'on a plutôt un bon contrôle de sa propre jungle. Mais Trick, finalement, en retournant faire ses Krugs en haut, il a loupé cette possibilité d'aller prendre le carap bot. Oh. Oh, 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 oh là là, BDD. BDD qui met Tempt en difficulté. Khan. Ah, c'est esquivé de la part de Khan. Et il savait que le passif du Aatrox allait proc, j'imagine. Oui. Il est en abatteur, hein, d'ailleurs. Ouais. Sacré retour sur la lane. Assez ballsy. Parce qu'il essaye de
de frapper Crazy là où ça fait mal, l'orgueil. En tout cas, avant le niveau 6, j'ai pas beaucoup d'espoir pour Renekton. On va dire que s'il y avait une opportunité, elle était un peu avant. Je pense niveau 2, niveau 3, ouais, ce genre de niveau chose. 2, niveau 3, effectivement. On pense qu'il y a une ouverture à ce moment. C'est assez fragile Aatrox, mine de rien. Je vais que maintenant, bon angle de gank sur cette botlane, ça peut donner quelque chose. Ouais, flash out de Gorilla, après qui répond directement, oh, quelques Mystic Shots, beaucoup de POC de la part du duo des Kingzone. Et un flash qui est réclamé sur Gorilla, pas la situation la plus dramatique pour les Kingzone. Mais on sait que Tamketch est un pick qui peut être vulnérable, donc attention. Pas de téléportation pour Gorilla, on a un Ignite. Hey, 4 titres. De champion en Corée. 67%, allez, on lui donne. Ces 4 titres, c'est donc les deux derniers. Il a un plus gros winrate que Faker avec ces cas d'ailleurs. Faker qui est à 62, 61, je crois. On va dire que Spring et Spring, ce summer, aide pas trop à monter les stats. C'est certain. Après, mais bon, il lui manque 100 kills. Hein. Du coup, Prey, attends, parce qu'il gagne donc ce Spring, le dernier summer. Il gagne celui avec les Rocks contre Katie. Mm-hmm. Et le précédent, c'était à l'époque de l'OGN Champion, je pense. Quand il était chez Najin. Oh là là. La Chine de la part de Khan. Personne ne s'y attendait, surtout Patrick, je pense. Intégral combo. Il a démoli. Et Crazy est forcé de reculer. C'est lui. Il a l'air gentil. De la violence. C'est vrai qu'un jungler, c'est vraiment la cible idéale hein, pour un Renekton. Aucune statistique de combat, on a seulement de l'AD et un sabre de l'escarmoucheur, donc Trick actuellement qui est sûrement avec Lulu le personnage le plus fragile de la carte. Non, avec Nocturne plutôt. Très très peu de points de vie. Moins de midlife hein. 300 points de vie. 300 points de vie pour Trick. Et il essaye de contest. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il commence à peu près à 450 grâce au smite. Et on avait encore de la marge. Il fait OS hein, vraiment. Ouais. Pas eu le temps de flash, rien. Et il a son premier kill, Khan. Et il est 20 CS devant Crazy. Voilà, et il a un abatteur. Il a un abatteur. Et il a un abatteur, c'est vrai. Ah, c'est une situation très délicate pour la Camille de Trick. On est sur la seconde réapparition des buffs. Le raid qui est imminent. De son côté, et donc en conséquence, bientôt les niveaux 6 pour les junglers. Peanut fait déjà partie du club, la paranoïa est disponible. Ultimatum Extech, quant à lui, c'est une autre histoire. Et on sait que cette Camille, elle est essentielle pour la composition des BBQ. Elle sert de relais à Tempt. Et en cas de défaut de Camille, on manquerait très sévèrement d'engage au niveau des BBQ Olivers. Et la composition pourrait commencer à s'effriter. Ça peut être un des problèmes. Mais Kingzone qui profite de sa domination, qui enchaîne bien. Ah, j'ai des petits doutes quand même sur l'issue de ce match. Hein. Enfin, non, j'ai pas vraiment de doutes en fait. Je t'avoue que je suis pas rassuré pour les BBQ Olivers. Ouais. Parce que là, vraiment, ça enchaîne bien pour Kingzone. L'hyper carry des BBQ qui est le Aatrox est quand même dans le dur au niveau du farm. Ouais, c'est une Lulu dans le Nashor également. Ça peut apporter. D'autres informations, voilà une Lulu qui ne va pas manquer d'AP mais qui va manquer d'aspect utilitaire dans sa position. Attention le all-in. Et Cam double dash. Drake est toujours niveau 5. Et s'il prend cette opportunité top, c'est une paranoïa droit dans les gencives qui l'attend. C'est un dive hein. Ils vont y aller avec Camille, ils vont y aller avec Galio. Et il y a Peanut qui attend patiemment. Drake qui décide d'y aller, on a un TP, attention l'ulti de ce Galio. Debop intégral, Can et Peanut. Il a pas pu mettre l'ulti Tempt. Il a rien pu faire. Crazy est dans le dur également, attention peut-être à une nouvelle engage des Kingzone. Tandis qu'au bot, regarde au bot ce qui est en train de se passer. La Lulu de Ghost qui fuit. Et le duo Prey Gorilla qui est en train de se faire plaisir. Attention à l'arrivée de Bididi également. Quel burst! Mais qu'est-ce qu'il a fait, Tempt, quand même? Il y a eu l'auto-attaque de Nocturne. Mais je crois que c'est l'ulti du Nocturne.
Ouais, bah oui, sale counter, ouais, bien sûr. Petit nocturne. Parce que t'aimes peu appuyer. Il peut appuyer, il peut appuyer, il peut appuyer. Et au moment où il voit le TP. Et il peut plus. Eh non. Et là, tu fais quoi? Bah, tu fais rien. Et voilà. Et là, il voit. Et donc, il ulti instantanément. Le burst, mon dieu! C'est vraiment très impressionnant. Je m'attendais pas du tout à autant de dégâts. Même pas eu le temps de stopwatch au niveau de trick, on a été. Ouais. Il a disparu. Ah, c'est très bien joué vraiment de la part de Peanut. Et attention, les Kingzone décident d'utiliser la situation. Oh, la poussée tellurique, il ne touchera pas sur Crazy. Double TP, Ghost. Oh. Il y a du monde du côté des Bibi Oliver. On tente de résister à cette poussée. Kingzone, Dragon X, BDD qui va devoir reculer également de son côté. Belle défense hein, côté BBQ. Effectivement, très bien joué le jeu des téléportations à leur avantage. Attention, le snipe sur Ghost. Non, pas du tout. C'est bon, tout va bien. Mais pendant ce temps-là, on a toujours Prey et Gorilla qui évoluent sur la botlane et qui vont certainement faire la première acquisition de tourelles de la game. Cependant, on va prendre une tourelle et un héros de la faille pour les BBQ. Donc potentiellement deux. Très belle défense, effectivement, des BBQ. Le multi-TP a vraiment pesé sur cette phase de jeu. C'est la botlane qui est venue et de l'autre côté la botlane des Kingzone qui est restée en position simplement. Ouais. Bon, on a quand même prêt à 121 CS. Ouais. Et c'est un carry pour le coup, c'est pas une Lulu dans le Nashor. Ouais, il va poser des problèmes au BBQ, au Khan. Khan qui arrive à cancel Crazy. C'est qui peut deny les TP. Il va hein. Elle a lâché vite hein, quand même. C'est... Il y va, il Khan. Il va quand même pas, il y a ici. Là, bon, bah, au début, c'est bien sûr bien engagé pour les Kingzone. Mais voilà. Là, on voit Brom qui était déjà sur place. Enfin, il Et là, le TP de la Lulu également. Il sauve complètement la vie de tout le monde, hein, Ignar, avec ça. Et regardez, Ghost qui TP, mais au final, qui s'est fait. Il s'est fait full burst par Tahm Kench en fait sur la botlane Ghost. Donc, il est arrivé, il avait encore 30% HP. C'est le Tahm Kench, c'est ces gorilles-là qui l'avaient travaillé au corps. Le Tahm Kench bosseur. Ouais, il lui a mis auto-Q, auto. Il a pas pu le dévorer malheureusement pour cancel, ou peut-être qu'il avait fait ça pour des push. Il a mis l'ignite et il avait quasiment remporté le 1v1. Et c'est effectivement un Gaillou proto-belt. Hein. Il est là. Ouais, il est là, jusqu'au bout. Il y a 1-0-1 pour l'instant en Tempt. Ah, c'est très impressionnant, mais... Ça a tendance à dépop un petit peu dans le mid-game, là où Ezreal va vraiment porter, où les ultis nocturnes vont être dangereux. Il va avoir du mal à tanker, à assurer son rôle de semi-frontliner, d'off-tank peut-être pour le Galio de Tempt. Mais voilà, c'est la proto. Il a le burst de son côté. Regardez le build de BDD aussi. Très longtemps qu'on n'a pas vu de Séraphin sur Talia. Ouais, Tyr Talia, c'était passé de mode. On va repartir dans le même sens. On s'attend peut-être à ce que la partie soit plus longue que prévu pour les Kingzone. Vers le pari du scaling, celui de Ezreal bien sûr est déjà en route. Celui de BDD avec une Talia un peu nerfée mais qui a pris quand même en galon au niveau des dégâts mono-cibles. Oui. Oui, tout à fait. Et qui a maintenant une... Attention, ça va combattre. C'est Gorilla. Ah, Gorilla, on a directement une ulti de Tempt. Il est dans le dur quand même, le support des Kingzone. Et l'ulti de Nocturne ne suffira pas. Oh, elle est belle cette poussée, elle est belle cette poussée, Tempt qui s'en sortira. Par contre, le transfert arcanique de Prey, lui, était nettement moins joli. C'est un kill qui échappe au Kingzone à cause d'un dash dans le mur, malheureusement. Et BBQ qui maintiennent la défense, les poussées telluriques, BDD qui met une énorme pression. Et le retour en mid lane sera certainement un focus un peu plus sérieux pour les Kingzone. Ils veulent cette tourelle. Et ils vont forcer. Ouais. Et le héros de la faille est à la base actuellement. J'ai BBQ Trick qui est rentré super poussé encore une fois, qui connecte sur Ignar. Et Ghost qui donne la chorise. Khan de son côté qui s'est vraiment envolé. 50 CS d'avance. Ouh. Oh, il fait mal BDD, il fait très mal. Heureusement Ghost n'a pas pris cette poussée. C'est un dragon des océans encore. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est le quatrième en deux games.
héros de la faille. Il a essayé la poussée tellurique, mais Bibi Q-Trick, oui, on va donner son titre de noblesse. Franchement, je suis pas sûr qu'ils arrivent à prendre cette tour, hein, ça me semble délicat. Il y aura une charge. Il y aura une charge, mais pas plus. Ouais, d'ailleurs, il recoule l'aggro avec sa poussée. Elle est lourde, hein, la Talia de Bibi. Ah bah. C'est peut-être la meilleure du monde, hein. Franchement, il était tellement bon au spring avec. Et bon, les BBQ là, qui ont 5000 gold de retard, dur. Est-ce que ça va être une game comme la précédente? Ouais, dur. On va parce en rester que... là jusqu'à 30 minutes et d'un coup. Je sais pas, j'ai du mal à croire ça parce que le Aatrox c'est vraiment au fond. Franchement. Ils peuvent peut-être un peu tenir le mid-game en termes de dégâts avec le combo Camille, Galio, Lulu, mais même là, ça peut servir qu'à shutdown un joueur. Et à côté de ça, le Renekton, il va se balader en teamfight, il va découper tout le monde. Après, il y a une Lulu, il y a un Galio, il y a un Braum. On peut le cesser, ce Renekton, c'est pas inenvisageable. Mais le temps de le cesser, combien y aura-t-il de morts? C'est plutôt ça la question. Et actuellement, voilà les Kerangol, comme tu le disais, qui se creusent, qui continuent de se creuser. On va bientôt rentrer en zone de Baron Nashor. 4 minutes, on a un petit peu de temps, toujours. Pour espérer compléter un deuxième objet. Là, je vois une BF également sur Khan. Alors, ma tête me dit Ange Gardien. Mon cœur me dit BT. Écoutera-t-il son cœur? On va voir. L'ange gardien c'est plus safe quand même, hein. On est tous d'accord. Surtout dans une configuration où tu comptes fight bientôt. Et ils n'arrivent pas encore à prendre cette tour mid, les King Zone. Pourtant ils ont du siège et honnêtement, un ulti de BDD pourrait faire la différence, mais il ne faut pas qu'il y ait le Braum à côté. Oh, c'est la meilleure. C'est flashé, hein. C'est flashé directement. Absolument super Goria. Oh, l'ulti du Galio qui va toucher sur Peanut. Attention, BDD. BDD qui va flash out, qui se fait totalement all-in par les BBQ Olivers. Qui joue très bien le coup en se retournant sur le mid des King Zone. Et c'est malgré tout un combat qui semble être perdu s'il se prolonge. Les BBQ qui doivent battre en retraite. Les King Zone sont encore en pleine forme relative, hormis bien sûr BDD qui était en position de flank. Et qui s'est fait prendre à partie. Cette tourelle, elle sera défendue par King Zone. Ils vont tenter de la défendre. Attention à la téléportation de Khan. Il est juste derrière, au-dessus de Ghost. Il arrive à couper la trajectoire. Et il atteint la Lulu. Et finalement, elle a gâté. Non, elle prend le stun quand même. De l'autre côté, c'est Camille qui tombe. Téléportation défensive de la part de Tempt pour voler à la rescousse de Ghost. Et il reste dans tout cela un Ignar qui semble avoir réussi à fausser compagnie à Pilote. On revoit. C'est dommage pour le positionnement de BDD parce que c'était. Enfin, la défense était vraiment là pour Khan. Je pensais que ça allait tourner au vinaigre, l'ulti Galio complètement raté, etc. Avec BDD en solo, tandis que King Zone finit par prendre cette première tour mid. Le call des BBQ, il a été violent. Ils ont très bien joué le coup. Et peut-être se maintiennent-ils dans cette partie. On voit Lulu qui va faire sa transition vers le Graal Impie d'Athènes pour apporter un peu plus de support. On a senti que les dégâts étaient très sérieux dans cette composition BBQ malgré tout. Et le Aatrox a fait son... C'est vraiment ce genre de configuration qu'on devrait avoir, même si Galio devrait faire plus de dégâts tout de même. C'est sûr. Mais dans l'idée... Ah, c'est Galio et Camille qui font... Il a mis tout ça BDD alors que... Il est tombé quand même assez vite, hein. Ouais. Voici la Muramana, voici la Triforce. Et ses stats rendent pas honneur à son match pour l'instant, BDD. Non. Il a vraiment été hyper présent. Alors qu'est-ce qu'il attend, Khan? Qu'est-ce qu'il va donc acheter? 1900 gold, il attend. C'est le GA? C'est les Sun's River, c'est ouais. No cooldown Renekton. Alors, c'est une fiesta quand il est sous ulti, c'est absolument merveilleux. C'est-à-dire qu'en mêlée, si on était impressionné par ce que pouvait effectuer Crazy, ça va vraiment changer les choses avec Renekton. Parce que là, sous ulti, c'est du stun de partout, il ne fait que tourbillonner avec son Q-spell.
Enfin, c'est un petit miracle. Il dash en format tronçonneuse. Enfin, c'est... Ça doit être tellement fatigant. Et c'est vraiment cool à voir. Parce que Renekton, c'est un personnage qui manque beaucoup de mobilité d'habitude. Ouais. Et quand il est sous Dominus et Sans River, C'est plutôt pas mal. C'est pas mal pratiqué. Tous les joueurs de Renekton, je regarde un peu les bulles en solo queue. Il n'y a pas toujours des Sans River qui tombent, mais on va dire que c'est là 50% du temps quand même. Ouais, je pense que c'est vraiment le match-up qui est propice. On veut à peu près le même effet. Franchement, ça va être rigolo. On veut la même chose d'Aatrox et de Renekton. Khan qui vole dans le fight. Ouais. Dash. Je crois qu'ils ont un rôle un peu similaire les deux. On veut le mettre le plus au centre possible. Et juste, fais-toi plaisir. Ah bon, il n'aura pas de Binzu. Pour l'instant, il n'est pas d'actualité. Ce qui est d'actualité, c'est d'une part le Baron Nashor et d'autre part ce dragon des montagnes, troisième dragon. Pour l'instant, c'est un sans faute sur cet objectif pour les Kingzone dans ce BO. Ils n'en auront pas loupé un seul. Et les BBQ qui ont toujours ce combo magique sur lequel ils peuvent compter. Là, qu'est-ce qu'on fait côté Kingzone? Parce que cette essence River, elle est sympa, mais elle apporte pas de quoi rentrer forcément 100% sereinement dans le fight. Attention, oh, directement, on a le G de la Camille sur Gorilla. Mais Gorilla est tanky. Gorilla tente de tenir le coup. Maintenant. Il finira par tomber. Qu'est-ce qu'on fait maintenant côté Kingzone? Oh, le burst! C'est un doublé pour le Aatrox. Et encore un corps, les BBQ Oliver sont redoutables. Mais sur Renekton est là. Regardez, Khan, hop, tourbillonne, dash. On enchaîne et il reste quand même la bot lane des BBQ. Allez, Prey qui va pouvoir faire parler les tirs mystiques. Il en aura un des deux. Il va au moins c'est sûr. Un des deux. Il y en a un qui doit sacrifier. Il y a le surfeur et il n'est pas d'argent celui-là. Oh, la lecture. C'est bien Reed de la part de BDD et Prey qui conclut pour les Kingzone Dragonix. Et de 1500 kills. Ignar fut le 1500e joueur à donner sa vie à Prey. C'est beau, félicitations à Ignar, bien sûr. Tandis que ce fight, malgré tout, était plutôt pas mal hein, pour les BBQ. On a réussi à supprimer Gorilla, mais je pense que c'est exactement ce qu'ils veulent, les Kingzone. Ils veulent se faire engage à côté du Tamkench et après contre-attaquer. Ah, le mur de la tisseuse également, qui paraît anodin, mais j'ai quand même beaucoup de choses. Oh là là, ça continue ici, Ignar. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Deux joueurs BBQ tombés. C'est Baron, ça. Mais qu'est-ce qu'on pouvait donc bien faire sur cette top lane aussi loin? Je sais pas ce qu'il faisait là. On était tranquillement dans notre replay. Qu'est-ce qui leur est arrivé au BBQ? Peut-être zoné, ils étaient en train de checker le Baron. Et la situation leur a échappé, c'est possible. Trick qui affûte son smite. Oh là là! Oh, le relais entre les joueurs Kingzone avec une stopwatch de Peanut. On se passe le focus, on fait reculer les BBQ Oliver. C'est pendant ce temps-là, Khan il le recrache pour qu'il smite. C'était assez cool comme phase de jeu de la part des Kingzone. C'est tellement bien ficelé. Les joueurs, ils ont vachement bien combiné ensemble. Et Trick qui a perdu peut-être 70% de ses points de vie en lance. Oh non, ça c'est du hint. Hein. En lançant un hookshot dans le champ de mine de Talia. Ah, c'est du hint, hein, ce de push ici, c'est pas possible. Ah, même si on avait 3 téléportations. Il voulait bait, mettre 3 TP peut-être. En tout cas, prendre la T1 à ce moment-là, alors qu'on va perdre le Baron Nashor dans la minute qui vient, c'est. Bah, c'est ballsy de se mettre à cet endroit, surtout ouais, qu'il a facilité la prise du Baron au Kingzone. Hein. Oui. Et maintenant, il va falloir gérer ce Renekton. Ça va être difficile, on est quasiment au Flame Horizon. Il a un gage de Starak. Ah, il a sorti un gage déjà. Ah, les dégâts de base qui grimpent. On a encore 8.11, donc c'est les dégâts. Ça va être violent. C'est vraiment les dégâts de base sur Starak et puis l'AD supplémentaire. Et pas encore plutôt. Fait tellement plaisir avec son remake. Ça donne envie.
Oh, ils veulent Peanut. Ils veulent Peanut. Et il n'y a pas de Tam Kael cette fois, il me semble. Oh non, 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 ça suffira pas. Il va tomber. L'ulti la Camille. Oui, mais Prey fait tellement de dégâts. Oh. Khan qui est lancé. Le flash in. Un dash. Et on va prendre le duel. Enfin, le duel. Un 1v2 plutôt. Contre Crazy. Et contre Ghost. Et Khan qui s'en tire comme un prince. Le prince de la top lane, bien sûr. Un joli catch, mais malheureusement, ce sera pas assez, on va chasser. Oh, triple kill pour Prey. On allait jusque dans la base pour le duo iconique des Kingzone. La traversée des abysses qui va certainement mener les Kingzone à une nouvelle victoire. Une victoire 2-0 sur les BBQ Olivers, malgré le fait qu'ils aient drafté leur mascotte, Puglio. Les Kingzone qui restent au sommet de la Corée, avec un score de 4-1 en sortie de la seconde semaine. Bien joué Kingzone, qui ont été largement supérieurs aux BBQ Olivers et qui, finalement, comme le split précédent, perdent leur premier match contre les champions du monde. Et derrière, ils gagnent tout. C'est ça, c'est bien 4-1, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Oui, ils ont perdu qu'un BO. 100-4-1, ouais, tout à fait. Mais l'équipe numéro 1, pour l'instant, c'est Griffin, qui ont gagné leurs 5 matchs. Et les Kingzone juste derrière à 9-4. Après ce match, 2-0, face aux BBQ. Mais Griffin qui joue Kingzone ce mardi. Voilà. On va voir. On va vraiment savoir si Griffin est une équipe du top 5 ou pas. Du top 4 plutôt. Pas parce que top 5, je pense que c'est bon. Oui. Oui, ils ont quand même deux. Mais entre la saison est encore longue. La saison est encore longue, mais ils sont bien positionnés pour aller en playoff avec ce début canon. Ouais. Et donc, dans les matchs la semaine prochaine, mardi matin, nous aurons deux superbes rencontres. Alors la première, c'est une tradition, c'est le classico SKT T1 contre KT Roll sur la Telecom War. Bien que SKT ne soit pas dans ses meilleures conditions, ils viennent de remporter leur premier BO contre Legendary Green Wing, certes, c'était beaucoup plus faible que KT Rollster, mais peut-être que cela donnera des billes au SKT pour ce match contre des KT très en forme actuellement et qui ont notamment battu les Générations Gaming 2-0 hier. On aura également Kings and Dragons contre Griffin en deuxième BO. Un match de très haut du classement. Donc, mardi, super journée de LCK. On vous conseille de poser des RTT, bien sûr. Oui. Comme très gros match la semaine prochaine, on a également un KT Griffin. Jeudi, c'est ouf. Hein. KT Griffin et Kingzone SKT. L'un voilà. Derrière l'autre. On verra. Grosse semaine pour SKT. On verra s'ils peuvent prendre des points. C'est absolument magistral. Et on aura un petit Génération Gaming Africa quand même le dimanche pour finir tout ça. C'est encore une fois, c'est le top 5. Vraiment, c'est le top 5 qui s'affronte avec des SKT qui tentent de se retrouver dans ces confrontations de hype. Alors qu'on revoit voilà, les divers carnages de Cannes. Il va certainement être crédité d'un petit MVP après cette game, même si BDD je trouve très méritant. BDD a été très bon, mais comme d'habitude sur Talia. Ouf! Je le savais. Je savais que tu étais là. On revoit le setup un peu idéal. Pour un crocodile. Et ce fameux relais. Ça, franchement, c'est l'action la plus sympa du match. Les uns après les autres. Ah ouais, et hop, non, Peanut, non, attends, je recule. La chasse, ça met suffisamment low life. C'est BDD qui prend le relais. Et après, dévoration, smite. Et bon, cette ulti nocturne qui était super embêtant pour le Galio. Mais complètement, et malgré tout, Peanut qui n'a pas fait un seul faux. Enfin, si, un faux pas son dernier teamfight, mais pas vraiment important. Mais sinon, ces ultis qui ne l'ont pas mené droit à la mort, c'est surtout ça. Ouais, oui, il a bien joué le coup, vraiment, Peanut. Et encore une fois, hein, les ultis nocturnes contre chaîne. Ainsi que contre Galio, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé dans la phase de draft en parlant du pic de chaîne, mais ça aurait été une véritable catastrophe si on avait cumulé chaîne, Galio, Camille face à un Nocturne. Ça aurait été terrible. Donc aujourd'hui, bien Ghost aura fait un peu plus de 5000 points de dégâts dans deux games. Pas beaucoup, hein, 5000 en deux games. Surtout quand tu es un joueur à sa position. Ça, en deux games, on fait à peu près 25% d'une game de son homologue. Pas terrible.
Pas terrible pour Ghost. Non, c'est pas. Et on n'a pas vu Ariès aujourd'hui. C'est vrai. On va peut-être envisager hein, de. Et le MVP, Khan. 400 points déjà pour le top laner star des Kings on Dragon X, qui revit depuis ce changement de méta, qui va continuer à revivre lorsque la bannière de commandement sera supprimée. Bref, l'avenir est radieux pour le top laner des Kingzone, qui va pouvoir faire valoir ses qualités de dueliste plus que jamais. Complètement, complètement Twix, et on attend de voir la suite hein, pour Khan et pour les Kingzone qui ont une belle semaine 3 à venir. Twix, nous on va se laisser là, c'est la fin de cette session de LCK. N'oubliez pas ce soir les LCS NA, bien entendu. SSN est plein de rebondissements puisque on a eu hier l'équipe de Zab, donc les Optic, ils ont gagné contre EcoFox avec une composition. Et ils jouent en premier ce soir Optic, donc c'est à 21h je crois. FlyQuest. Ils jouent contre FlyQuest en ouverture. Normalement FlyQuest ils sont bien purs. Ah, il a sorti une super. Attends, c'était quoi? C'était Super Kai'Sa. C'était Super Kai'Sa mais avec Nunu. Voilà. Ouais. Super Kai'Sa Nunu. Franchement c'était pas mal du tout. En plus c'était Kai'Sa AP donc. Avec il y a un Team Liquid TSM ce soir. C'était pas mal du tout. Il y a quelques matchs quand même, mais voilà, donc ce soir, 21h, l'Amérique du Nord sur Eurogaming. On vous laisse ici avec Twix et donc avec l'interview des MVP du match précédent, Khan et Gorilla. Et Gorilla. Et Gorilla pour son premier Time Catch. À ce soir sur Eurogaming. Congratulations on your win. How do you feel? It's been a while since I got the MVP, so I feel really awkward a little bit. But yeah, I'll be looking forward for more MVPs. Because I have been losing my spotlight recently, so I was really a little bit down, but yeah, I feel a lot better. You know, a lot of global fans were chanting for you, Gorilla. What about you, Khan? I don't know why, but we were really calm today. You know, we were a little bit hyped in games, but today we are a little bit more like calm and chilled. Well, Khan, your play on Renekton in the game too was awesome. But you did look a little bit calm today. If you check out the clip later, you look really chic and calm. So moving on to games. Game 1. There was a small team fight in mid lane. And the fight went back and forth. Well, did you guys make different calls on each other or what? Yeah, we exchanged kills over there. And I told him that I was on my way for support. Well, if BDD didn't die, I think Trundle would have backed off. But since he died, yeah, we tried to reopen team fight over there. Then let's check the clips. It was a very close fight. Peanut was down here. Well, if BDD backed off, Trundle would have backed off. So I don't know what it was, the perfect decide here, but yeah, in the end, it all ended well. So it was the next team fight. The minion waves were on our side, so we tried to reopen team fight over here. 1세트 이런 식으로 해서 아주 편안하게 굴려 나가면서 경기를 마무리했던 모습이 있었습니다. 혹시 1세트 칸 선수가 좀 기억나는 장면 있어요? Khan, is there any highlights you want to remember from game 1? 칼날불이 욕심내다가 죽은 장면 하나 기억나네요. Well, actually I want to try to camp in the jungle and then I died. So, yeah, that's the one I remember. 본인 그건 좀 아쉬웠나 봐요, 그러면. 아쉬워서 더 생각하게 되더라고요. I feel a little bit depressed on that about that because it was my mistake. But game 2, you were really out playing throughout the games.
you know, we were really interested in the matchup in top lane. So, can you tell us about how you ended up locking in Renekton? Well, we have been thinking about counter picks about Aatrox, so I think Renekton will be strong in 101. Yeah, so I ended up locking in Renekton. Yeah, it was a very impressive play on your side. Any highlights you want to add on? The moment when I got triple kills. Then let's check out the highlights. It will take a while. Well, the highlight was Khan's face. And the global caster seems to be amazed. In addition, you know, in the early game, well, actually the opponent players were chasing you, but you managed to survive and take down one player. It's not my super play. Actually, I think it was their mistake. I want to highlight more of my best plays. Then let's check out the clips. This was really indeed a great play. I think it was quite sexy. What about this one? Super sexy play on your side, Khan. You went in and you took down the back line. I like it. And other team fights, you know, you had a lot of contributions overall. You were super sexy today. Well, both of you did a great play today. And a lot of fans are really happy about today's performance because, especially you, Gorilla, you are the mother of your team, always caring so well. You know? So we prepared a present for you, Gorilla. Take a look. So, you know, you're always the one cooking, you're always doing the housework. It's an apron. Well, I'm gonna share this with by the cleaning lady in our house back in our gaming house. 굉장히 또 화제를 낳았었던 모습이 있었습니다. 아, 이게 두 선수 두 선수지만 잠깐 말씀드린 것처럼 오늘 굉장히 의미 있는 You know, today is a very valuable moment for a certain player, right? Frey, he had his 6-year anniversary 2 days ago, and today he made his 1,500 kills. Let's bring him up to the stage. Ah, 1,500 kills. Congratulations. 야, 그 많은 분들이 그런 얘기를 해요. 얼마 전에 그 장건웅 전 선수 만났을 때 그 데이터 중에 Last time when we saw Wong, the old AD carry player, you know, he has been playing with you in league back in the days, but you're still in the league currently. And you remain so good. So how do you feel? 일단 뭐 6주년이어서 좋지만 Well, 6-year anniversary is really awesome. But as long as I continue playing as a pro gamer, the old friends that I had in the league, like MetLife, are kind of retiring, so I feel really a little bit sad. And also, there are, I want to just show that other old players to feel confident about playing in the league.
플레이 선수도 올라갈 수 있어요. For example, like ambition. 아 일단 비션이 형 나이 때 우승 한번 했으니까. Well, you know, ambition got his championship last year, so I'm gonna follow his age. 전혀 문제 없다. 전혀 문제 걱정하지 말라 그런 느낌이었고. 어, 근데 6주년 때 뭐 했어요? What did you do on your 6th year anniversary? 6주년 때 어마어마했죠. 숙소. We had a great party in our house. We did a lot of practices and I went to bed. 루틴을 했었다는 거 이게 대선수의 자세 아니겠습니까? 그런 거죠. 어, 괜찮은 포장이었어요. 어. 그리고 오늘 그 1500 킬 했는데 And today you got 1500 kills total in LCK. 많은 분들께 들으면서 그 1500 킬 사진 찍고 난리가 아니었어요. 아, 역시. 기억나요? 그 1500 킬이 언제 remember? 아, 네. 여기 또 스포티비에서 1500 킬 했던 거 같아서. 네. 아, 또 I've seen them preparing for my celebration. So I knew it. I knew that today would be the day. So I was really happy. 어라. 우리 작가지 별로 안 준비한 것 같은데. Well, to be honest, I don't think we really prepared something for you. 어, 거기까지는 없었던 것 같은데. 어, 영상은 And we're gonna show you the replay. 와, 이게 1500 킬 영상이야. 1500 킬 영상이에요. 네. Congratulations, Frey. 이랬습니다. 아, 사실 그. 프레이 선수의 그 1500 킬에 대해서도 뭐 저희가 많은 얘기가 있었는데 끝까지 고민을 너무 많이 해가지고 so We were really trying to give you something but maybe next time we are not ended up thinking about the best idea for your present so we're gonna make sure to give you the present on your next MVP interview 네. 자 이제 지난번 경기부터도 이제 많은 팬들이 완전히 공감하셨던 것 같아요 야 김준 그래 아, 원래 And a lot of fans are feeling like Kingzone is back. Kingzone is back to the stronger line of LCK. But there are a lot of other teams that are so strong as you are. So it's really competitive. And your next opponent will be Griffins, you know? And they said that Kingzone is strong, but we are strong also. So, what are your comments about that? Well, I'm not really good at trash talk, so I'm gonna pass it to Khan. 네, 네. 아, 아 감사합니다. Thank you. 어 지금 뭐 숙소에서 연습 열심히 하시고 For all the Griffin players watching this, 보실 거라고 생각해요. 예, 그쪽 그리핀 탑라이너인 소드 최선 선수. Sword, the top laner in Griffin. Just wait for me. 아주 강력한 임팩트 역시. 아. 카리우라라는 느낌을 쓸 수 있었던 임팩트였습니다. 네. So the breaking news said, Khan, Griffin, just wait till we go. 이가 있기 때문에 더 큰 팬들이 사랑하는 거 아니겠어요? 그런 생각이 좀 들었습니다. 자, 그래서 오늘 이 세 명의 선수의 그 멋진 하모니와 더불어서 So this will be the end of the interview of Kingzone Dragon X. 수많은 경기 역시 And we'll be looking for your great performance throughout the split. And I will pass it back to our casters. Thank you. clapping in stereo. We're back. And yeah, nice interview with our boys in blue. Kingzone pick up another win, 31 minutes, 25 minutes. Really easy for them. Oh yeah, they weren't really challenged much by BBQ. I liked the idea in the second game. They had some nice initiations, but it was always going to fall away a little bit earlier than expected. And that means that Kingzone leapfrogs to second place. Oh baby, it's 1v2 to open up 8-12 next week. 1v2, first versus second. Undefeated Griffin up against LCK champion. It's going to be...